Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon prénom c'est Laura. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo spéciale avec le ring. Et non, on ne fera pas une séance de hula hoop. C'est un spécial pilates avec le Magic Circle. J'espère que tu es en pleine forme. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, je te conseille d'y aller faire un petit tour. Je te propose plein de petites choses pour rester en forme pendant cette période de confinement. Voilà, on est parti pour cette vidéo. Nous voilà installés sur notre tapis. On va venir se positionner sur le côté doucement. Là. Et on bascule. Et ensuite, on va venir garder les talons proches des fessiers. Et on va essayer d'avoir ces plantes de pied pardon, bien ancrées dans le tapis. On va ouvrir légèrement nos genoux et on va venir installer donc, le cercle parallèle au tapis. Et on va venir serrer un petit peu dans le cercle. Voilà, comme ceci. Donc, on va un petit peu serrer. On va vérifier ici qu'on a notre bassin neutre. Le bassin neutre, pour celles et ceux qui connaissent, qui n'ont encore jamais vu mes vidéos, quand je parle de bassin neutre, ça veut dire que je dois avoir mon pubis et mes hanches à la même hauteur. D'accord? Ici. Quand j'ai mon pubis et mes hanches à la même hauteur, j'ai d'office un petit espace entre la zone lombaire et le tapis. Voilà, donc je vais retrouver ici ce bassin neutre. Je vais placer les mains le long de mon corps et je vais placer ma respiration. Je vais inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Ici, je prends quelques secondes ici pour me reconcentrer, pour essayer vraiment de faire le vide autour de moi. Fermez les yeux si ça vous aide. Et on inspire et on expire. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on vide le ventre. Et encore deux, on inspire dans les côtes et on expire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Superbe. Maintenant, on va venir un petit peu échauffer nos épaules. On va inspirer, lever les épaules vers les oreilles, expirer, descendre. Inspire, levez les épaules. Expire, descendre. Et encore, on inspire, on lève. On expire, on descend. Et encore deux. Inspire, on lève. Expire, on descend. Et encore une fois, inspire, on lève. Expire, on descend. Très bien, on vient placer les mains maintenant sur les épaules. Les épaules restent basses et on vient faire des cercles avec les coudes, dans un sens, on fait un petit échauffement ici, puis dans l'autre. On inspire toujours et on expire. Très bien, maintenant on va placer les coudes devant les épaules et les bras bien tendus devant les épaules. Et on va inspirer. À l'expiration, on vient protracter les omoplates, éloigner les omoplates de la colonne vertébrale. On inspire, on revient au centre et on expire, on vient rétracter les omoplates. On inspire, on revient au centre, on expire vers l'avant. Voilà, on garde le bassin neutre et on vient échauffer ses omoplates. Quand je parle plus tard dans la séance d'omoplates neutres, c'est-à-dire que je ne vais pas ni rétracter. Rétracter maintenant, vous savez que c'est comme ceci, placer les omoplates proches de la colonne, neutre au centre et... Non, pardon, protracte, excusez-moi, c'est vers l'avant, neutre et rétracte, c'est vers l'arrière. Donc neutre, c'est vraiment entre la protraction et la rétraction, quand je suis vraiment au centre. Et encore une fois, j'expire, je lève les bras vers le sol, j'inspire, je reviens au centre, et j'expire, je viens dans le tapis. Très bien, je viens placer les mains le long du corps et je vais encore une fois un petit peu échauffer la nuque. Je rentre le menton et j'éloigne le menton. Je rentre le menton et j'éloigne le menton. Et je respire, je rentre et j'éloigne. Et encore une fois, je rentre le menton et j'éloigne. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne.
et je reviens au centre. Très bien. Je viens placer les mains sur le bassin et je vais venir en imprimer le dos sur le tapis et revenir à la position neutre. Et quelques fois ici, je viens lever mon pubis plus haut que mes hanches et je reviens neutre. J'essaie ici de contracter volontairement mon périnée, contracter volontairement mon transverse abdominal, mais pas sur fessier. Okay? On essaie de vraiment faire ça avec la force du périnée. À l'expiration, et on inspire, on revient au centre. Et on expire. Et on inspire, on revient au centre. Très bien. Maintenant, on va venir inspirer. Et à l'expiration, on va venir serrer le genou. Inspire, on revient. Expire. On serre le genou. Inspire et expire. Inspire, on ouvre. Et exhale. On inspire et on expire. On inspire, on ouvre et encore 4. Et on contrôle quand on ouvre, d'accord? 3. On essaie de ne pas bouger le bassin. 2. Et 1. Oh, excusez-moi. Et on revient au centre. Très bien. On va essayer maintenant ici d'engager un petit peu l'intérieur de ses cuisses, ses fessiers pour un petit peu plus serrer dans le ring. On va inspirer et à l'expiration, on va redresser le haut du corps et on va venir faire la centaine tout de suite. Pubis hanche à la même hauteur. J'inspire. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 5, 4, 3, 2, 1. Pardon. 1. Et ex. 1. Et ex. Allez, on tient bon, on respire. Ins. Et ex. Ins. Et ex. Si les mains font, si la nuque fait mal, je fais la même chose. Sans les bras. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez. On essaye pour les plus avancés de serrer dans le ring à chaque fois. Ins. Ex. Ins. Ex. Et je relâche. Très bien, je viens prendre mon ring, je relâche un petit peu mes cuisses. Superbe. Et je vais venir lever une jambe en tablette et puis lever l'autre jambe en tablette. Je suis donc les deux jambes à 90 degrés, les genoux juste au-dessus du bassin. Et je vais venir ici utiliser mes dorsaux pour serrer. Donc travailler ici les muscles dans le dos et les muscles dans les bras pour venir serrer mon cercle. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire en même temps? On va venir essayer de faire deux exercices au même moment. On va venir à l'expiration serrer dans le ring en essayant de relâcher au niveau de la nuque, au niveau de la tête, des muscles du visage. Essayer de vraiment aller chercher dans les dorsaux et dans les bras. Et en expirant, je viens descendre une jambe et puis l'autre. Donc, je travaille et les abdominaux et le haut du corps. Un total body pour celui-là. On inspire et c'est parti. On expire et on serre dans le cercle. Et 2. C'est ça. 3. 4. 5. 6, 7, 8, allez, on tient bon, 9, et encore une fois à droite, et 10, et on revient, on relâche une petite seconde. Ça va toujours? N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous ressentez les exercices. Alors, on va venir faire une petite variante ici. Donc, on va tendre une jambe. Attention à garder pubis et hanches à la même hauteur. Donc, quand j'expire, je vide le ventre et je viens tendre une jambe. J'inspire, je reviens et j'expire, je tends l'autre jambe. Toujours en gardant ma petite fraise imaginaire dans le bas du dos. Et quand je viens tendre une jambe, à vous de voir si vous arrivez à en même temps lever les bras.
D'accord? Si c'est difficile, vous restez avec les bras au-dessus de la poitrine. Si ça va, vous éloignez. D'accord? Si c'est difficile pour les abdominaux avec les jambes, vous faites l'exercice précédent. Allez, chacun son rythme, on est parti. On inspire et on expire. On essaye en même temps d'un petit peu presser dans le cercle pour activer les bras et les dorsaux, toujours total body. À l'expiration, je vide le ventre, je garde les côtes connectées à mon transverse. Je ne fais pas une extension au niveau de la poitrine comme ceci. Je garde les côtes basses. J'active dans les bras pour un petit peu serrer le ring. Allez, on peut le faire. Ah, c'est pas évident celui-là. Et 6. 5. Attention à ne pas bouger le bassin. 4. Plus je descends la jambe, au plus c'est difficile. 3. 2. Et 1. Et je relâche. Ouh! On sent aussi beaucoup le travail dans le dos, dans cet exercice. On va inspirer et on va expirer. Très bien. Maintenant, on va travailler un petit peu plus les fessiers. On va commencer par venir placer le ring, juste en dessous de... Donc, les jambes sont... Les deux talons sont proches de mon fessier. Je vais lever une jambe et je vais venir mettre le ring ici. Voilà. Hop, comme ceci. Mes petits coussinets vont tenir le ring bien vertical. Et je viens replacer le corps, mon bassin neutre, les mains le long du corps. Si vous êtes débutant, vous gardez les mains le long du corps. Si vous êtes niveau moyen, vous mettez vos coudes. Si vous êtes niveau avancé, vous levez les bras. D'accord? Donc, en fonction de votre niveau. Moi, je vais me mettre en niveau moyen et je vais un petit peu... modifier pendant l'exercice. Premier enchaînement, je vais inspirer et à l'expiration, je vais soulever mon bassin, inspirer, descendre. Expirer, voilà, les bras peut-être sur le tapis, vous voyez bien, comme ceci. Donc à vous, en fonction de votre niveau, de choisir où vous positionnez vos bras, comme j'ai dit. Et on est parti pour 10, expirer, on monte. 9, 8, 7. Si vous sentez des douleurs au dos, placez les bras le long du corps. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On va rester en haut et on va venir presser dans le ring. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, on stabilise cette jambe et on vient lever le talon. 10, ça peut être difficile pour certains, si c'est difficile, vous faites une pause et vous revenez plus tard dans l'exercice, d'accord? 9, 8, ah, ça brûle, 7, 6, allez, on essaye de ne pas basculer le bassin, 5, 4, 3, 2, 1, on reste sur pointe de pied et on serre dans ce cercle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose le talon, on pose le fessier, on reprend son cercle et on relâche un petit peu. Ah, ça a bien travaillé. On sent bien normalement dans les ischio-jambiers que ça travaille bien. Ok, maintenant on va faire la même petite série de l'autre côté. Donc, je viens mettre le ring juste en dessous, juste à côté de mon talon. Et je supporte le ring par le petit coussinet, l'avant du pied. On est parti pour la même petite série. Donc, on fait 40 petites répétitions avec le fessier en haut. On inspire et on expire. 10 premières pour celui-là. 1, et expire. 1, j'essaie de volontairement contracter ce fessier pour amplifier
les bénéfices. Voilà. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je serre dans mon ring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je mets sur pointe de pied. 10, 9, 8, 7, on respire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste sur pointe. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ça a bien travaillé. C'est un bon exercice celui-là, j'adore. Allez, on relâche un petit peu. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre une jambe, puis l'autre. Tendre les deux bras. On va inspirer et à l'expiration, on va faire le roll up. J'inspire et j'expire. Les bras au-dessus du regard, je rentre le menton et j'expire. Je redresse. Et j'étire, 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 j'étire. J'inspire et je redescends en pensant à avaler le nombril. Et je vais faire une première pause ici. Descendre vos épaules et je vais venir serrer 6, 5, 4. Toujours en utilisant mes dorsaux. 3, 2, 1. Un petit peu plus bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore un peu plus bas, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je redépose tout doucement. J'inspire et j'expire. Je rentre le menton et j'étire, 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 j'étire. Inspirez, expirez, redescendez. Et je suis sur mon sacrum ici, pas sur les ischios. Et je viens serrer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troisième, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez eu des difficultés pour vous redresser précédemment, je préfère que vous remontez tout de suite. Donc, vous, si vous êtes débutant, vous remontez tout de suite comme ceci. Si ça a été, vous redéposez délicatement. On inspire et on expire. Donc, deux possibilités ici. Soit vous faites le roll-up complet, soit vous vous arrêtez avant et vous redressez. Allez, on est reparti pour nos trois petits stops avant de déposer. On rentre le nombril, on descend les épaules. Et 6, 5, 4, je regarde le pubis. 3, 2, 1. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je redépose tout doucement. J'étire. All right, j'étire. Très bien. Ok, je vais venir me placer sur le ventre. Je vais me mettre comme ceci. Donc, hop, youp, comme ceci. Et je vais venir placer mes deux mains sur mon ring. Je vais venir ouvrir un petit peu légèrement les jambes. Je vais descendre les épaules. Attention à ne pas être ici. Gardez les épaules basses, le front sur le tapis. Si ça vous semble difficile, mettez les mains en dessous, d'accord? Au-dessus ou en dessous. Au-dessus un petit peu pour les plus élevés dans la discipline, un peu épaulu pour... Ouh là là, pardon. Donc on met les mains au-dessus
pour les avancées, en dessous pour celles et ceux qui font pour la première fois du Pilates. On va inspirer et à l'expiration, on va venir serrer dans le fessier, serrer dans les abdos et venir à l'expiration redresser. Et on inspire, on descend. Et on expire, on monte. On serre un petit peu dans ce cercle. On inspire, on descend. Et on expire, on monte. Encore 4. On essaye de garder les jambes tendues. 3. 2. Et 1. Et je vais rester ici pour 6, 5, 4. Le regard vers le tapis. 3, 2, 1. Et je redépose tout doucement. Très bien. Alors, maintenant, je vais prendre ce cercle, toujours, et je vais venir le mettre entre mes deux chevilles, comme ceci, voilà. Je vais plier mes bras et je vais mettre mon front sur mes deux mains. Je vais descendre toujours mes épaules, essayer de bien engager les abdominaux, donc ne pas laisser le ventre se relâcher dans le tapis, essayer de vraiment serrer les abdos pour éviter d'avoir des douleurs dans le dos. D'accord ? Alors, je vais inspirer et à l'expiration, je vais venir essayer, je vais fléchir les pieds, pardon, et je vais venir serrer comme si les talons voulaient se toucher. Je travaille dans le fessier et dans l'intérieur des cuisses. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais inspirer et à l'expiration, je vais soulever et descendre. Inspirez, essayez de, attention, bien serrer toujours les abdominaux. D'accord? Relâchez le haut du corps, essayez de ne pas redresser les omoplates. 1 et 6, 5, 4, 3. Ça ne sert à rien d'aller très haut. 2, et 1, je vais rester en haut et je vais essayer de serrer dans le ring. 6, sans bouger, on serre. 5, 4, 3. Oh, j'ai une crampe qui arrive. Ah, putain. Ah, donc maintenant, on va venir lever et on va essayer de garder une tension dans le ring. Les talons essaient de se toucher. 6, on respire bien. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Je ne sais pas vous, mais moi, je le sens hyper fort dans mes ischios. Ah, ça fait du bien. Allez, on vient placer maintenant. On reprend son cercle. Oups. Avec les mains. Et on va maintenant le prendre comme si c'était le volant de notre voiture, dans ce sens-là. On va inspirer et à l'expiration, on va lever une jambe et puis l'autre et on va venir faire des petits mouvements de haut en bas. Les jambes très bien tendues, pas serrées dans les jambes, un petit peu ouvertes. Et up and down, en haut, en bas, en haut, en bas, j'inspire. Et à l'expiration, je vais essayer de redresser mes omoplates, redresser le haut du corps du tapis. Voilà, je suis ici. Ça, c'est déjà un niveau un petit peu avancé. Si vous sentez que c'est difficile, vous gardez votre front sur le tapis. Si ça va, on redresse niveau moyen. Et niveau avancé, on peut venir faire le volant. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose le ring, je mets les mains en dessous de mes épaules et je pousse dans le tapis pour venir faire un child pose. Ah, et relâchez un petit peu les tensions. Superbe. Ouh, je relâche complètement. Je m'abandonne. Je me fais du bien. Ouh, je respire. Très bien, j'inspire. Et j'expire. Superbe, je viens placer maintenant les talons dans mon fessier. Je vais venir redresser tout doucement vertèbre par vertèbre. All right. Alors maintenant, on va venir faire notre série sur le côté avec le cercle. On va venir placer une cheville à l'intérieur et une cheville au-dessus.
on va venir se mettre de deux positions possibles. Soit vous vous mettez sur votre coude, comme ceci. Soit si vous êtes débutant, n'hésite pas, vous pouvez simplement vous poser sur le tapis, fléchir le bras, descendre le bras et venir regarder ici devant vous en pensant à descendre bien l'épaule. Et attention à ne pas vouloir écraser le bas du dos sur le tapis, d'accord ? La ceinture abdominale sur le tapis plutôt. Donc le coude ici, pour un peu plus de difficultés pour celles et ceux qui le désirent. On pousse, attention, ici on n'est pas en mode plage. On essaie de vraiment pousser dans le coude comme ceci. Et on va venir inspirer et expirer, serrer. Inspirer, expirer, serrer. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir avec l'autre. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Superbe. Je garde le pied du bas serré dans le ring et je vais avec le pied du haut vers l'avant et vers l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je remets le cercle au-dessus et la jambe du bas va venir faire des petits cercles. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Superbe. J'inspire et j'expire. Je relâche. Ok, on va venir mettre le cercle devant soi, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Et on va venir faire maintenant directement relâcher l'épaule si vous en avez besoin. Et si ça va, on va venir se mettre sur une planche latérale. J'inspire et j'expire. Planche latérale, niveau débutant, elle est comme ici, elle est ici. Si ça va au niveau du poignet, vous pouvez aussi vous mettre sur le poignet, comme ceci, d'accord? Niveau débutant. Coude ou main, comme vous voulez. Et ensuite, niveau moyen, ici, avec les deux jambes tendues. D'accord? On est ici, on inspire et on expire. On rentre le nombril, on allonge la nuque et on tient. Si ça va, on vient faire des petits mouvements. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose le genou et on relâche une petite seconde. Relâchez votre poignet, relâchez un petit peu. Cette fois-ci, on fait une position de l'enfant avec les deux jambes serrées. On relâche, on respire. On inspire encore une fois profondément et on expire, on redresse. Good job! Alors, same thing. But the other side, hop là, la cheville en dessous et la cheville, l'autre cheville au-dessus. Deux possibilités, je le rappelle, soit couché en descendant bien l'épaule, vérifier ici qu'on n'est pas écrasé comme ceci, qu'on a un petit peu la sangle abdominale redressée, pas qui touche complètement le tapis. Voilà, on allonge bien la nuque. Et si vous êtes un peu plus avancé, n'hésitez pas à vous mettre sur votre coude et à pousser, à ne pas être ici, à pousser bien l'épaule loin de l'oreille. Donc, on inspire, on rentre le nombril. Je ne sais plus où j'avais mis la main. Là, là ou là, comme vous voulez la main. J'inspire et je viens serrer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et c'est l'autre jambe à l'intérieur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière, en essayant de bien serrer les abdominaux et les fessiers. Et 6, 5,
4, 3, 2, et 1. Super, je remets ma cheville au-dessus et je viens faire des petits cercles. Oups. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et de l'autre sens, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Super. Ok, maintenant, je viens relâcher mon petit cercle. Oups. Et je vais venir plier une jambe, me mettre soit sur mon coude, soit sur ma main, et venir faire le side bend, donc la planche sur le côté. Niveau débutant, comme ceci, où j'aligne ma main, mon coude et mon talon. Pour les niveaux avancés, je tends ici les deux jambes. Et je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viens faire des petits mouvements. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et je pose une jambe, je pose l'autre jambe et je relâche. Je relâche une petite seconde. Voilà, on a terminé avec mon cercle. Maintenant, on va faire deux petits exercices pour se relâcher, pour un petit peu relâcher peut-être les tensions qui se sont installées pendant cette session. On va inspirer et à l'expiration, on va venir basculer son bassin et on va venir faire le cat stretch. On va rentrer le nombril, on va essayer d'avoir le dos le plus rond possible. On inspire et on expire, on rebascule le bassin et vertèbre par vertèbre. On revient neutre, épaules loin des oreilles. J'inspire et j'expire. Je bascule d'abord le bassin, les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales, les vertèbres cervicales. Rentrez le regard vers le nombril et ensuite je redéroule de l'autre côté, de l'autre sens. J'inspire et j'expire. Et encore une fois, j'inspire et j'expire. Très bien. Et je reviens bassin neutre et omoplate et la nuque. Superbe. Allez, je viens placer le fessier sur le tapis et je vais venir devant. Je vais voilà, comme ceci, ça va. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais tourner le buste et aller chercher dans la jambe. J'inspire, je tourne le buste et je viens chercher sur le côté. C'est vraiment le haut du corps qui s'articule. Inspire et expire. J'essaie de garder bien les deux fessiers dans le tapis. J'inspire, je tourne d'abord le buste, je descends les épaules et j'étire. J'inspire, je tourne le buste et j'enroule comme si j'avais un gros ballon au-dessus du ballon. Je viens chercher le pied. Encore une fois, j'étire et j'expire. Superbe, je viens plier mes jambes et je viens inspirer, prendre un élan d'énergie autour de moi et expirer, relâcher, descendre. Et encore une fois, j'inspire et j'expire. Et on prend toute l'énergie, toute la positivité qu'on a besoin, on la met dans nos mains et on déroule, on descend, on descend, on descend. Et on vient mettre cette énergie dans le centre de notre corps. Voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, à partager si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.